Démonstration de force pour Jean-Claude Gaudin ici à Marseille. Le maire sortant termine loin en tête lors de ce premier tour de l'élection municipale. Et grosse surprise avec la deuxième place de Stéphane Ravier, le candidat du Front National, qui avait enregistré à peine 8,7% des voix lors des dernières municipales. Le natif des quartiers nord enregistre donc une forte progression lors de ce scrutin. Et déception de taille en revanche pour les socialistes et pour leur candidat Patrick Mennucci, qui pensait être au coude à coude avec Jean-Claude Gaudin. Il n'en est rien, mais Patrick Mennucci veut y croire pour le second tour. Il a pâti des divisions à gauche et il a appelé au rassemblement pour le deuxième tour, avec notamment le Front de Gauche et la liste d'hiver gauche de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Patrick Mennucci l'a dit, rien n'est joué. Saura-t-il, pourra-t-il inverser la tendance lors du second tour? C'est vraiment la question de ce scrutin. Mais en tout cas, force est de constater que c'est une très bonne soirée pour Jean-Claude Gaudin, âgé de 74 ans. Il est bien parti pour remporter un quatrième mandat ici à Marseille.